la base de Showa. Une base d'expédition construite dans l'Antarctique par l'équipe japonaise participant à l'année internationale géophysique en 1957. 11 hommes, accompagnés de 16 chiens de Sakhaline, dont une femelle, devaient passer un hiver dans l'Antarctique pour préparer l'expédition de l'équipe principale l'année suivante. Ne disposant pas du matériel lourd nécessaire à l'expédition, ils utilisèrent principalement les chiens comme moyen de transport. Dernière mission de l'équipe consistait à explorer le continent. En raison des problèmes d'approvisionnement en essence, ils décidèrent d'utiliser les chiens de traîneau. 15 chiens puissants furent sélectionnés, parmi lesquels Taro et Jiro. 3 explorateurs, le géologue Akira Ushoda, le météorologue Kanjiro Oshii et le docteur Yuzo Ozaki. Leur objectif et leur espoir était d'atteindre le sommet du mont Botnuten, jusqu'ici inexploré, d'en étudier la position exacte et l'altitude par observation astronomique et d'en examiner les caractéristiques géologiques. Docteur ? Ouais. Hachi, mets d'autres chaussettes, t'as raison. Sinon tes pieds vont geler. Ouais. Thank you.
sais ce que c'est, ce bruit? Jacques, c'est pas le vent. Ce sont les blocs de glace qui se heurtent les uns contre les autres. Trouillard! Arrête de trembler comme ça. Comment tu pourras continuer si le bruit te fait peur? Tu sais, Jacques, si je te frappe un peu trop souvent, c'est pour que tu sois plus fort. Tu comprends? On n'est pas au Japon. Ici, c'est l'Antarctique. Faut être fort pour survivre. Compris? Le chien de tête sera Shiro. Ouais. Et à la place de Derry, on va attacher Kuma et Taro. D'accord. C'est toi le plus grand. Montre l'exemple. Tabou, feignant. Machine. Je te remplace. Vous êtes prêts? En avant! On va attaquer la descente. Archie, on y va? Oui. Prêt, docteur? Ouais. En avant! Non, j'ai rien. C'est le chien qui m'inquiète. Lui va bien et moi aussi. Stop! Stop! Roger. Hein? Il y a un chien qui saigne.
c'est lequel? C'est Taro. C'est grave? Non, non, il pourra courir. Jiro est blessé aussi. De route. Ouais, attache Goro. D'accord. Goro! 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 Allez, viens ici! Goro! 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 Je t'en prie. Allez, reviens. Je t'en supplie. Par pitié. Tu oublies qui est le maître. Aie pitié de ton maître. Tu as compris ce que j'étais en train de te dire. Hein? Tu comprends tout ce qu'on dit. Allez, vieux frère. On y va.
C'est le Botnuten. Le mont Botnuten. En 18 jours, ils ont parcouru 250 kilomètres. Ils doivent être arrivés au mont Botnuten. J'aurais dû les obliger à prendre un émetteur, même si ça faisait un excès de poids. Leur retour est prévu dans une quinzaine, c'est bien trop tôt pour vous inquiéter. Et puis ça serait mauvais pour votre santé, vous le savez bien. Ils n'en sont pas à leur première expédition, ce sont des professionnels. Je ne me fais pas trop de soucis. Monsieur Ozawa, vous avez un message du Soya. Ah. Le Soya est en vue de la terre d'Anderby, monsieur Ozawa. Il voudra un rapport précis sur l'état des glaces, le plus vite possible. Je vois. Novembre. Pendant que les trois explorateurs savouraient leur victoire sur le mont Botnuten, un brise-glace japonais, le Soya, mettait le cap sur l'Antarctique, avec à son bord l'équipe de remplacement. Jusqu'à ce moment-là, la relève semblait devoir se dérouler sans incident. Pendant le retour, les conditions climatiques changèrent brusquement. À la suite d'un violent blizzard, une brume épaisse s'installa. Le brouillard était si dense que la visibilité était nulle. Pour comble de malheur, les reflets des puissants rayons ultraviolets provoquaient chez les hommes la fameuse cécité des neiges. Ils savent qu'ils sont au bord du désastre. Ils ne peuvent même pas appeler au secours, puisqu'ils n'ont pas voulu emporter un émetteur radio qui aurait alourdi leur charge. Comment ça va, devant? Ça peut aller. Tous à moitié aveugles et ça peut aller. Quel désastre. Oshoda! Oui? Tu arrives à voir quelque chose? Vaguement. Où est-ce qu'on est? Ça fait 2 heures qu'on a quitté le dernier dépôt. On doit être à peu près à 30 ou 40 kilomètres de la base. À condition que les chiens prennent la bonne direction. Vous voyez quelque chose? Rien du tout. Le brouillard est beaucoup trop épais. Je crois que je viens d'avoir une idée. Ah, quoi? Taro et Jiro. On pourrait peut-être lâcher Taro et Jiro. Les lâcher? Oui. S'ils arrivent jusqu'à la base, le chef enverra aussitôt une équipe de secours à notre recherche. Oui. À condition qu'ils arrivent à retrouver Showa. Ils le retrouveront. Tu as l'air bien sûr de toi. Shada.
Je sais très bien ce que tu ressens. Je suis d'accord avec l'idée d'Oshi. Si Taro et Jiro ne retrouvent pas la base, cela signifie que nous sommes irrémédiablement perdus, nous aussi. Alors, de toute façon, quelle différence ça peut faire de les garder ou de les lâcher? Tu as raison. D'accord, tu peux les lâcher. Taro et Jiro sont frères. Ils sont dans l'Antarctique depuis leur plus jeune âge. Et ils ont été élevés ensemble à la base. Oshi, tout va bien? Oui. Oui. Docteur Ozaki, ça va? Oui, oui. Prenez le véhicule pour rentrer à la base. Nous nous occuperons de ramener les chiens. Pas question. Nous ramènerons nous-mêmes les chiens à la base, j'y tiens. Fin décembre. Le Soya est immobilisé dans les glaces. Impossible de s'approcher de la base. Il restera bloqué par les glaces tout le mois de janvier. Les véhicules? Quoi, les véhicules? Les véhicules, écoutez, je ne sais pas. L'émission est brouillée, c'est une tempête magnétique. Ouais.
Tiens, mets ça, là. Tu veux que je te prenne en photo? Hein? Tout le monde dort. Tout le monde dort. Ah, ça fait plaisir. Et comment va Monsieur Origome? Ça va. Hein? Voilà. Je dois vous faire part de notre décision. Je vous ramène tous au bateau dès aujourd'hui. Aujourd'hui? Sans même donner nos instructions à l'équipe suivante? C'est comme si nous renoncions à notre mission. Le chef Origome et le capitaine Iwajiri ont décidé de vous évacuer en accord avec l'état-major du Japon. Je suis désolé, mais le temps presse. Nous devons faire vite. Le temps est favorable, mais ne durera pas plus de 24 heures. L'avion transportera les équipements et il ramènera 3 hommes par voyage. Hasegawa et Takei, vous allez rester à la base. Ils superviseront l'opération. Messieurs, faites vite vos bagages. Ikeuchi, venez avec moi. Oui. Avec ton nouveau maître, Oko. Arrêtez! Taro! Enfin! Taro, arrête! C'est fini! Arrête! Tu sais que j'en ai marre de tes bagarres! T'es un bon chien, Jiro. Je sais que tes nouveaux maîtres sont sûrement pas comme moi. Anko! Anko, arrête! Arrête! Chanty, bouge pas. Là. Oshikoda, je crois qu'on a intérêt à serrer leur collier au maximum. Comme ça, ils s'échapperont pas. Et tu te rends compte si la prochaine équipe les retrouve en train de traîner à droite et à gauche? T'as raison. De mordre les gens. Essaye d'être plus sociable comme ton frère, Jiro. Hein? Tu comprends? Pourquoi vous n'envoyez pas vos hommes en premier? Ça me paraît plus important que le matériel. Sans matériel, les hommes ne peuvent rien faire. Alors vous pouvez très bien envoyer les hommes avec des chenillettes. Nous avons déjà essayé de le faire, mais ça n'a pas marché.
Commandant, la météo annonce qu'une dépression polaire se dirige vers nous. Aucune amélioration du temps n'est prévue. Encore déposé la deuxième équipe. Alors, on a dû laisser les chiens attachés. Et la nourriture? On leur a distribué une ration de hareng. Ils pourront tenir plusieurs jours. Le pilote a dû larguer du fuel pour qu'on puisse ramener la chienne avec ses deux chiots. Février. Toujours bloqué par les conditions atmosphériques, le Soya continue à dériver vers l'ouest avec les glaces. Il réussit à se dégager et effectue une tentative vers le large. Mais il ne tarde pas à être repris par les glaces. Il doit lutter de toutes ses forces contre les éléments pour amener la seconde équipe de l'expédition au camp de base. Pour l'explosion. Mise à feu. En arrière, toutes. En arrière, toutes. Ushiada. L'écolier.
repense au collier. J'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû serrer le collier. Qu'est-ce qui va leur arriver maintenant? Si seulement Go ne s'était pas échappé. Hoshi. T'inquiète pas. Le temps va s'éclaircir, j'en suis sûr. Impossible de briser la glace, capitaine. En avant, doucement. En avant, doucement. Vous êtes d'accord? Vous ne pouvez pas abandonner les chiens comme ça! Hoshi, nous devons renoncer. Soyez sûr que nous avons fait l'impossible. Je vous en prie, s'il vous plaît, laissez-moi faire juste de vol. Je suis sûr que je peux ramener tous les chiens. C'est impossible de voler par ce temps. Alors juste une fois. S'il vous plaît, laissez-moi essayer. Faut faire deux voyages. Il pèse plus de 500 kilos. Je veux y aller quand même. Je dois le faire. C'est nous qui sommes responsables. Nous avons des ordres, monsieur Ushioda. Des ordres du quartier général. Nous devons mettre un terme à toutes nos activités aujourd'hui même. De plus... De plus? De plus, nous avons un grave problème. Nos réserves d'eau potable sont en baisse. Peu de fioul qui nous reste. Nous ne pouvons pas le gaspiller pour faire de l'eau potable. Ushioda, le gouvernail a subi de graves dommages. Nous n'avons presque plus de fioul. Une hélice est cassée. Nous aurons des difficultés pour rejoindre le cap. Soyez raisonnable. Nous ne pouvons pas mettre en jeu la vie des hommes. L'eau, bien sûr. Oui, je comprends. Si l'eau manque...
Il serait temps que j'aille me raser. Ushioda. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Nous ne pouvons plus rien pour eux. Anko, le premier, parvient à briser sa chaîne et à se libérer. Le second qui s'échappe est Jacques. Son collier. Ensuite, Giro. Enfin, Giro réussit à se libérer. Giro, inquiet pour son frère Taro, revient près de lui.
Ricky et les autres chiens pénètrent à l'intérieur des bâtiments, cherchant la présence familière d'un être humain. Pessu et Moku, ainsi que quatre autres chiens s'effondrent. Ricky, le chien de tête, entraîne Anko, Jacques, Shiro et Jiro à la recherche de nourriture. Kuma se libère à son tour. Puis Taro. Ils partent ensemble sur les traces des autres. Soudain, Jiro apparaît sur le sommet d'une crête. Apercevant son frère, Taro court à sa rencontre. Les chiens sont maintenant affamés. Ils courent en tous sens, désespérément, à la recherche de nourriture. Le dernier chien à se libérer est Derry.
Parfois, la glace est formée de crevasses ouvertes sur la mer. Ces crevasses s'ouvrent et se ferment au rythme du flux et du reflux de la marée. La force de ce mouvement projette des poissons à la surface de la glace, où ils gèlent. Les abords de ces crevasses constituent un danger redoutable pour les chiens. Université de Hokkaido. Le Japon est un nid de crétins. Ils ne savent rien de l'Antarctique, et encore moins les chiens. Ça ne les empêche pas de crier, pauvres bêtes. C'est ridicule. Vous êtes trop intelligent pour vous laisser influencer et démissionner à cause de ces bruits. Vous avez des projets après votre départ de l'université? Non, monsieur, pas particulièrement. Pourquoi n'iriez-vous pas travailler en Australie? L'Institut géologique de Melbourne nous réclame un géologue. Tenez, 2 ou 3 ans, ça vous changera. Non, monsieur. Je vous remercie. Je ne peux accepter. Je m'en doutais. Je sais que votre décision est irrévocable, je vous connais trop bien. Pour survivre, il faut se battre. Riki et Kuma enseignent la chasse aux phoques à Taro et Jiro. Au mois de mai, l'Antarctique offre aux chiens un bref moment de répit. Souvent, des mirages apparaissent à l'horizon.
À l'arrivée de l'hiver sur ce continent glacial, les phoques et les pingouins se rapprochent du rivage. Ricky, lui, préfère aller vers l'intérieur du continent, à la recherche de vie humaine. Il reprend avec les autres la route familière du mont Botnuten. Kuma, un solitaire, reste près des crevasses. À la fin du mois de mai, le soleil se couche sur l'horizon, plongeant l'Antarctique dans l'obscurité jusqu'en juillet. C'est l'aurore australe qui succède au soleil dans le ciel de l'Antarctique. Les chiens, effrayés par ces lumières mystérieuses, se blottissent les uns contre les autres. Jacques, poussé par une impulsion soudaine, se met à courir. Pendant ce temps, Kuma, toujours solitaire, entend l'appel de la nature en contemplant la lumière dansante. Jacques, perdu et désemparé, court sur l'immensité des glaces. Kyoto. Regarde, Oshi, ils arrivent. Oh, comme c'est beau. Mais j'ai du mal à voir. Oh, regarde, fille chérie, le naginata d'Ashi. Oh. Ça y est, tiens, les voilà. Mais tu vois rien, pauvre trésor. Oh. Oh, je vois que vous aimez les chiens. On dit que les chiens sentent ceux qui les aiment et ceux qui les détestent. Hein, chérie? On s'en va. Qu'est-ce qu'il y a? Attends-moi! C'est vrai ce qu'on dit, professeur? Quoi donc? On dit que c'est l'hiver en Antarctique. Alors que chez nous, au Japon, c'est l'été. Tosha, tu veux te taire? Tu sais très bien que l'Antarctique est un sujet défendu. Oui, c'est vrai. Mais comment tu le sais? Comment? Ne touchez pas à ça! Ah non, ne change pas de sujet. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, je me demande pourquoi il fait si froid dans le sud alors que chez nous, il fait chaud. C'est bizarre, non? J'ai lu ça là-dedans. À cause de journal. Lisez cet article. Le professeur Ushioda démissionne de l'université d'Hokkaido.
Il rend visite aux propriétaires des chiens de l'île Sakhaline et leur présente ses excuses. Oshi, on y va? Allez, viens. Sinon, on va rater le dashi de la lune. C'est le clou de la fête. Ils viennent tous de mon village. Hokkaido. Après sa démission, Ushioda décide de s'installer dans un village situé à l'extrême nord du Japon, où les chiens de l'expédition ont été dressés. Il rend visite aux familles qui les ont fournis et leur offre les chiots qu'il a ramenés de l'Antarctique. C'est pour lui une façon de dédommager ses familles et de soulager sa conscience. Le chien est mort au cours de sa mission. Il a bien travaillé. Je le regrette, mais ce n'est pas votre faute. Je n'en veux à personne. Merci beaucoup. Merci pour les chiens. Au revoir. S'il vous plaît, acceptez ce petit chien. Je vous en prie. Monsieur, je voudrais savoir quelque chose. Oui. Quand vous l'avez vu la dernière fois, j'aimerais savoir ce qu'il faisait. Il était avec les autres chiens. Ils étaient tous enchaînés. Mon Riki enchaîné? Je vous prie de me pardonner. C'est la tombe de Riki. C'est ma petite sœur qui l'a faite. Jamais avoir d'autres chiens. Vous pouvez reprendre le vôtre. Ne pleure plus, Maki. Et viens, rentre.
Ricky court à perdre haleine. Son odorat extrêmement développé lui permet de retrouver de la nourriture laissée en réserve lors de l'expédition du mont Botnuten. Les chiens se jettent sur la viande de phoque. Chiro, compagnon d'Anko, fait une terrible chute. Chiro sentant peut-être l'approche de la mort, trouve refuge dans la carcasse d'une baleine où les explorateurs avaient bivouaqué quelque temps plus tôt pour se mettre à l'abri du blizzard. Chiro, 3 ans. Dis quelque chose. Tu es venu me faire des reproches, non? C'est vrai. Je suis venu exprès de Kyoto. Pour te voir et surtout pour te parler. Mais depuis, j'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de me taire. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai réalisé que finalement, je suis comme toi. Tu te sens responsable, et moi, de mon côté, je fais comme si je m'en foutais, mais au fond, je me sens aussi responsable. Centre d'entraînement des chiens de Sakhalin. Oui, tu as raison. Je me sens responsable. Oshi. Oui. Tu crois qu'ils sont tous morts? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il ne reste désormais que 4 chiens vivants. Ricky, Taro, Jiro et Anko. Épuisé, il retourne vers la mer glaciale.
L'apparition de Mouette Pillarde annonce la fin de la rude saison d'hiver de l'Antarctique. Les chiens sont sensibles à l'arrivée du printemps. Pourtant, la nature ne leur réserve pas un accueil chaleureux. Un violent coup de blizzard fend la glace. Un bloc se détache, emportant Anko à la dérive. Soudain, une baleine tueuse, l'orque, attaque les chiens. Ricky se précipite en avant pour protéger Taro et Jiro. Taro et Jiro reviennent, soucieux du sort de Ricky. Ils n'oublient pas que c'est lui qui leur a appris à survivre. Taro et Jiro ne peuvent plus rien pour lui. Mais ils ne veulent pas l'abandonner. Ricky lutte de toutes ses forces pour rester en vie. Mais il ne parvient plus à marcher. Ricky, 6 ans. Le courant entraîne Anko. Anko, 3 ans. Il dérive de plus en plus loin vers le large. Qui a survécu seul aux rudes hivers de l'Antarctique, est maintenant retourné à l'état sauvage. Inconscient du danger, il court constamment à la recherche de nouveaux terrains de chasse. Kuma, 5 ans.
Bonjour. C'est le chou que vous m'avez apporté l'autre jour? Oui. Comme il a grandi. Comment il s'appelle? Ricky. Ricky? Nous avons changé d'avis. Nous avons décidé d'élever un chien. C'est une bonne décision. Je suis sûr que Ricky en sera très heureux. Sur l'île de Richiri. Sur cette île, lorsque l'hiver arrive, les hommes partent pour Hokkaido. Ils abandonnent les chiens sur place. Ils sont obligés de trouver eux-mêmes leur nourriture s'ils veulent survivre. Ricky est fort et courageux. Il n'a peur de rien. Il peut survivre n'importe où. Je sais que l'île de Richiri n'est pas l'Antarctique. Ça doit être très dur de survivre là-bas, n'est-ce pas? Je sais que c'est très dur. Il ne faut pas s'attendre à ce que tous survivent. C'est impossible. Pourtant, j'ai le pressentiment que certains ont peut-être une chance. J'en suis persuadé. Oui. Mais la température descend jusqu'à moins 40 ou 50. C'est vrai. Mais les chiens de l'île Sakhaline supportent très bien le froid. Alors dans ce cas, Ricky est sûrement vivant. Oui, je l'espère. Je préfère ça. Le printemps arrive enfin sur l'Antarctique. We'll be right back.
Taro et Jiro, tous deux élevés dans l'Antarctique, la base de Showa représente toujours la maison. Leur maison. Qu'est-ce qui se passe? La troisième expédition en Antarctique se prépare. Tu allais partir sans me prévenir? Non. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas t'abandonner. Puis, j'en ai gardé un mauvais souvenir. Tu veux dire que tu n'es pas encore inscrit? Tu attends. Va vite à Tokyo et inscris-toi.
Faites le tour. Où je vais la regarder. Oshi, c'est Jacques. Jacques, 4 ans. Shoulda. Goro, 6 ans. Il est mort de faim.
Oshi. Quoi? Oui, c'est Kuma et... Non. C'est Taro et Jiro. Sept chiens retrouvés morts à la base, enchaînés. Six chiens perdus dans les glaces. Ricky, Anko, Shiro, Jacques, Derry et Kuma. Deux chiens ont survécu. Taro et Jiro.